On doit être satisfait du fait qu'on a toute l'Afrique qui se réunit pour se concerter sur une position commune africaine sur des questions qui intéressent le développement de notre pays. À l'issue de 3 jours de travaux, plus de 40 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, réunis à Abidjan, se sont accordés sur un plan d'action pour définir la position du continent à l'occasion de la première réunion du partenariat mondial sur la coopération efficace au service du développement. L'Afrique souhaite aujourd'hui que l'aide publique au développement soit réorientée. Nous invitons les partenaires au développement de l'Afrique à aligner leur soutien sur les priorités du continent, à contribuer à l'agenda inachevé de l'aide et à s'assurer que l'aide vient compléter le financement domestique ainsi que d'autres sources alternatives pour un développement efficace. La Côte d'Ivoire, représentée par le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, adhère à l'ensemble des résolutions. Le leadership de nos États doit être davantage affirmé et les interventions des partenaires au développement effectivement alignées sur les priorités nationales de développement ainsi que l'utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques. La première réunion ministérielle du partenariat mondial va se tenir le 14 avril prochain à Mexico. Il revient maintenant aux représentants africains d'être les meilleurs interlocuteurs du continent pour que ce plan d'action commun soit pris en compte dans le partenariat mondial.